Oh bah c'est reparti hein. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. C'est anniversaire de Jérémy hein, donc ça y est après on arrête hein, parce que j'en ai marre de faire des chroniques anniversaires donc Oh oui c'est pratique, ça donne des thèmes. Ouais. Puis j'en ai marre des cagnottes aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Les cagnottes on est toujours content quand c'est notre tour. Et après les 10 suivantes, on a la gorge un peu serrée. Hein, bon ça va Jérémy? Très bien. Wow. Attends, ouais. Tu peux juste m'expliquer pourquoi moi, Patrick Sébastien, et hier Justine, Stevie Wonder. Ah bah parce que tu fais du nudisme Jérémy, hein, c'est simple à comprendre. Hein. Je comprends. J'essaie d'être un peu cohérent dans les choix musicaux, je suis un professionnel. Bon. Alors Jérémy, pour ta veille d'anniversaire, t'as regardé Mario au premier regard? Forcément. Eh, forcément, il n'y a pas le choix. Avant de passer le cap, hein, 27 pour la police, 41 pour les manifestants. Hein. T'es un vrai daron, c'est maintenant, vrai Jérémy. C'est exactement bah, c'est ça. Ça. Ah là là, t'es un daron. Bah, je te le dis, hein, c'est pas parce que les bars font leur chiffre d'affaires grâce à toi tous les samedis qu'il faut te prendre pour un jeune, hein, Jérémy. Voilà, c'est comme ça, t'es un père de famille, t'es un homme responsable, avec un humour extrêmement graveleux que j'apprécie beaucoup. Pas du tout. Mais un homme responsable quand même. Est-ce qu'à 41 ans, c'est la question, hein, tu vas continuer à dire des saletés dans l'oreille de Greg et Justine juste avant qu'ils prennent l'antenne? Ah oui. Et voilà, ouais, c'est ça, j'avais été sûr. Important, ça. Mais est-ce que tu vas varier tes cibles? Parce que, alors ça peut pas être un peu con-con, mais parfois je suis un peu jaloux, parce que moi, juste avant mes chroniques, il me dit jamais rien, voilà. Je démarre dans les bonnes conditions, donc fais des efforts, Jérémy. Dis-lui hein. Des horreurs dans l'oreillette, oh ouais. Évidemment. Allez, on débarque sur W9 en plus d'RTL dans quelques secondes. Le double expresso RTL 2, 6h-9h30. Mardi 28 mars, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTL2, RTL2.fr, l'appli et W9. On est content de vous retrouver en images. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour Jonathan, Max, Angelo, Hugo, Jules, Olex et bon anniversaire à Jérémy qui fête aujourd'hui ses 41 ans, même si il met l'avance sur son Wikipédia. Oh, il va dire 27. On le sait, Jérémy. Bonjour. Non mais t'as une très belle peau. C'est vrai? Ouais, il faut dire les choses. Ah non, en vrai, tu les fais pas. Hein. Je voudrais vous dire également que nous lançons la boutique RTL2. Oui. C'est quelque chose de très important pour la fondation du Double Expresso. L'argent est pour nous, hein, pour qu'on se paye des vacances. Ça, c'est une très belle cause. Regardez les boucles d'oreilles de Justine. Ma foi, si vous voulez les mêmes, commandez-les. Elles sont au prix exclusif de 1250 euros. Ah ouais. La boucle d'oreille. Hors taxe. On vous le fait à 2005 les deux. Maison. Le styliste s'appelle Marcel. Il a 7 ans. Très beau. Et voilà, c'est mon neveu. Voilà. Donc, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire hier. Lève-les un peu, regarde là, on voit pas. Voilà. J'ai reçu plein de cadeaux, mon neveu et nièce, et du coup, dont ces boucles d'oreilles RTL2 qui resteront un cadeau vraiment mythique. J'ai envie de me faire trouer les oreilles. J'ai envie de vous dire, je veux les mêmes. Ah, je suis prêt à mettre ces 2500 euros. C'est trop mignon. C'est super mignon. Bah, c'est trop mignon. Évidemment. Merci, c'est beau, mon Marcelou, t'es après, trop fort. Après, tu vois, ça marche très bien tant qu'ils sont petits. À partir du moment où ils dépassent les 10 ans, s'ils t'offrent ces cadeaux-là, oui. Ça va pas, t'es pas content, tu veux un vrai cadeau. Voilà, je tiens à le dire, ça se passera comme ça. L'info qu'il faut, l'horoscope, les savoirs inutiles, la banque RTL2 au 3228, le winner du jour est Ed Sheeran. Bon réveil à tous, c'est RTL2. Tous les matins, le double expresso RTL2 avec vous jusqu'à 9h30. Il est 8h07, attention. 3, 4. Commun entre Lady Gaga et Jerem, notre réalisateur. Il porte très très bien, mais je ne dirai pas quoi. Ils se baladent cul du tout les deux. Allez, il y a de ça, c'est ça. Mais alors, c'est leur anniversaire. Ah, bon anniversaire Jerem et Lady Gaga. Là, évidemment, on vous passe les extraits des chansons de Lady Gaga, mais parce qu'on n'a pas récupéré encore les enregistrements studio de Jerem. Ouais. Donc on travaille. Tiens, c'est bon ça. Quelques tubes. Quoi. Quel âge elle a, Lady Gaga? 37 ans. Oui, elle a 37, elle est de 86. Comme toi? Ouais. Elle a le même âge, un jour près de toi. Elle fait un peu plus jeune, non? Non. Non. Ah, sympa, tu fais merci. Jeune, Justine. Elle fait plus riche. Ouais, ça. Voilà. Attendez, est-ce que c'est une impression? Non. Ouais, ça j'avoue, ouais. Bonjour à tous, on s'est même pas dit bonjour. Bonjour l'équipe, bonjour Justine. Bonjour. Bonjour. Attention, ça va éternuer. Ça va achoumer. Bonjour. Attention. Wow. Hop. Bonjour à tous. Ça va. Oh, bravo. Voilà la musique, parce que je pense que ça peut craquer à tout moment. On peut avoir un échappatoire nasal en direct sur l'antenne et ça pourrait être un petit peu compliqué.